Comment faire une offre d'achat? Je vais donner tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de comment faire une offre d'achat et je vais te donner tous mes conseils. Avant de débuter, je t'invite à cliquer ici, ici ou ici, ça se trouvera sur la vidéo, sur le bouton rouge, s'abonner, la petite cloche notification. Comme ça, tu vas pouvoir recevoir l'intégralité des conseils en temps réel. Alors, si tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Mickaël Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. On accompagne des centaines d'investisseurs par an dans des opérations immobilières clés en main et très rentables. Donc, si tu veux investir et passer à l'action, je t'invite à regarder plusieurs de nos vidéos et à prendre contact bien évidemment avec l'équipe. Je suis aussi l'auteur du best-seller, un grand merci, vous avez été des milliers à l'acheter et à le lire, j'espère, parce que c'est le plus important, de ce best-seller Vive l'immobilier, vive la rente. Je vous donne l'intégralité dedans de mon parcours et comment est-ce que je suis passé globalement des moins au plus, c'est-à-dire de endetté avec aujourd'hui un empire immobilier. C'est vraiment ce que je te souhaite, c'est pour ça que je te fais ces vidéos, pour pouvoir donner un maximum de conseils. J'ai vu un commentaire sous une vidéo YouTube concernant, il y avait une discussion concernant une offre d'achat. Je me suis dit merci beaucoup qu'il fallait que je te fasse une vidéo. Pourquoi? Parce que je lis un petit peu tout son contraire dessus. Je vois des gens qui sont frustrés, des investisseurs frustrés. Ça m'est arrivé de faire une offre d'achat, potentiellement d'être le premier, de ne pas obtenir le bien. Et je vois des personnes qui écrivent des commentaires et qui s'excitent en disant « je vais faire un procès, je vais faire un machin ». Bon, le but, je pense pas que ce soit de faire un procès, de faire un machin ou d'essayer de tirer des avocats, de te mettre dans des frais. Wow, 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 stop. Ça, c'est les problèmes de l'immobilier. On est là pour essayer de trouver des solutions et que l'immobilier, ça te rapporte du temps libre, de l'argent et pas des problèmes, des trucs d'avocats, etc. Donc déjà, en termes de mindset, prends-le comme un jeu. C'est un jeu, c'est comme au sport. Tu es là, tu es au sport et il faut gagner. Il y a des fois tu vas gagner, il y a des fois tu vas perdre. Et plus tu vas t'entraîner, c'est ce que tu es en train de faire quand tu regardes cette vidéo, plus tu vas être performant et plus tu vas pouvoir gagner. Ne pars pas déjà dans les trucs d'avocat, c'est mon avis. Personne ne sort jamais grand gagnant d'un conflit d'avocat. Ça va te coûter beaucoup d'argent. Ce n'est pas le but et ce n'est pas le bon mindset à mon sens à avoir. On va donc parler ici et c'est le grand que je voudrais te dire. Est-ce que cette offre, tu dois la faire par écrite ou par oral, parce que je vois effectivement également un petit peu tout à ce sujet. Ici, pour moi, il n'y a pas de débat possible. Il faut que tu le fasses à l'écrit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut que ce soit daté. C'est important. Et surtout, au-delà de ça, tu vas pouvoir, à l'intérieur de cette offre écrite, faire passer beaucoup de choses. Je vais demander au monteur, en même temps dans cette vidéo, qu'il puisse te mettre le lien, que tu puisses par exemple télécharger ce que j'ai fait quand j'ai acheté dernièrement ma résidence principale qui est à l'heure où je tourne cette vidéo en travaux. J'ai eu un coup de cœur, c'était cette maison que je voulais et pas une autre. J'ai fait des pieds et des mains et je suis allé jusqu'à faire une lettre de motivation en plus de mon offre. Je t'invite à la télécharger si le monteur peut la mettre. On l'avait mise dans une précédente vidéo. Si tu n'as pas regardé la précédente, comme ça tu vas pouvoir ici récupérer ça. C'est pour te montrer que ce qui est important, c'est vraiment l'énergie que tu vas pouvoir faire passer dans une offre d'achat. Ça peut être pour un coup de cœur, comme c'était mon cas pour une résidence principale, mais ça peut être, tu as un investissement, tu sais que c'est rentable, tu le veux, tu voulais cet emplacement-là. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ce qui est important, c'est que tu puisses gagner. Parce que si tu le prends comme un jeu, l'important, c'est pas de participer. L'important, c'est de là, tu as envie de gagner. Il faut arrêter avec ce truc, l'important, c'est de participer. Quand tu fais une offre sur un bien, tu n'as pas envie de participer, tu as envie de devenir un propriétaire du bien. Quand tu fais un match, tu es au foot, tu n'as pas envie de gagner. Nous, on s'est installé un terrain de badminton derrière avec l'équipe. Quand je joue, j'ai pas envie de participer, j'ai envie de gagner. Il faut que tu sois un compétiteur. Donc, oublie, j'ai envie de participer, c'est très bien. Tous ceux qui ont envie de participer, leur offre, elle sera deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Et toi, ton offre, ce sera la première parce que j'espère que tu as le mindset et que tu as envie de gagner. Par écrit. Il faut que tu aies une offre persuasive. Il y a un moment, tu peux faire de l'in, bonjour, je voudrais, etc. En fait, la logique, c'est plus tu es dans un marché qui est tendu, plus il va falloir être persuasif. Plus tu es dans un marché, si tu es le seul qui le veut, bah oui, tu peux le faire sur un post-it, tu peux envoyer un pigeon voyageur en disant je voudrais l'acheter à 120 000. Le mec, il va être hyper content, il va dire oh, si tu es tout seul, oh, ok, 120, c'est bon, bien sûr. Maintenant, on va se mettre dans un contexte où il y a un petit peu de gagne. Parce que si c'est un contexte où tu es tout seul, si tu veux, j'arrête la vidéo direct. Donc, on va partir du principe que tu es dans un marché tendu, tu es là, tu es chaud et c'est toi qui dois vraiment vouloir le gagner. Donc, ton offre persuasive, il va falloir que tu mettes un maximum dedans. Un maximum, ça veut dire quoi? Je vais te donner toutes les pistes ici à explorer.
Ça peut être, tu mets, je me mets devant comme ça je mets un peu de suspense, que tu as déjà eu un accord principe. Mais c'est pas genre, oh, j'ai eu un accord principe, tu vas le mettre, tu vas le donner avec. Accord principe, 150 000, 200 000 là, par rapport au projet que tu as. Voilà, je vous amène, tiens, avec mon offre, j'ai l'accord de principe de ma banque. J'ai la simulation du courtier. J'ai, tu vois, il y a du tenant, j'ai de l'apport. Après, ça dépend ici, tu vois. En fait, là, je suis devant la caméra, je ne connais pas ton profil, donc je vais te donner l'éventail des possibilités. Donc, c'est j'ai de l'apport, ça vaut 200 000, j'ai 30 000 d'apport. Je vais dire j'ai 30 000 d'apport, donc je sais que le financement va passer. J'ai un accord de principe, j'ai une simulation d'un courtier. Je suis sans conditions suspensives d'obtention de prêt, si c'est le cas. Ça ne veut pas dire que tu achètes cash, ça veut dire que potentiellement tu fais de ton financement une affaire personnelle. Ne pas jouer, je referme la parenthèse parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais vraiment ici, mets de l'eau à ton moulin. Indique potentiellement tes revenus ici. Je ne te dis pas de joindre ta fiche d'impôt, mais tu es là pour rassurer. Tu es là pour que la mariée soit la plus belle possible. Tu es là pour vraiment te montrer sous ton meilleur jour. Ton meilleur jour, c'est bah voilà, monsieur le vendeur, c'est sûr et certain. Si c'est moi, ça va au bout. Moi, pour ma maison, j'ai mis du sentimental dedans. Je lui ai mis des photos de ma femme, mon fils. Je suis pas obligé. Mais ne laisse pas le destin choisir pour toi. Essaie au maximum de pousser. Moi, je dis toujours, tu gagnes pas toujours une offre, un deal, quoi que ce soit. Mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir de regrets. Parce qu'une fois qu'on te dit que le deal, c'est pas toi, tu te dis « Ah bah, j'aurais pu ici peut-être donner un accord de principe, en plus je l'avais. » Ah, si tu l'as, mets-le. Ah bah, je gagne bien ma vie, je suis sûr que je vais être finançable, pourquoi ? Pas de regret, dis « Mets dans ton offre combien tu as de revenus ?» J'allais mettre de l'apport et tout, si tu l'as pas dit, dis-le. Donc, faut te battre, faut dire et des fois, bah c'est pas grave, mieux vaut enfoncer une porte qui est déjà ouverte, quitte à en faire trop, que avoir derrière des regrets. Donc, si tu le veux, tu es là, tu le veux, tu es déterminé. Et c'est important parce que si tu es déterminé, eh ben, en face de toi, le vendeur, la vendeuse va se dire « C'est un malade, lui, il est déterminé, je ne vais pas avoir de problème. » Tu vois ce que je veux dire? À la différence de quelqu'un qui, pendant la visite, dirait « Ah là, il y a une tâche sur le tableau. Ouais, là, c'est pas… Là, il y a ça. Là, il y a ça. » Si tu es déterminé, tu peux t'en servir pour faire la négo. Mais en phase 2, quand tu as fait ta négo, en phase 2, tu es déterminé. Tu redis pas, bah voilà, oui, mais il y a ça, il y a ça. Pourquoi? Parce que s'il y a une fissure ici, si le vendeur il sent que tu es fébrile, que tu peux faire demi-tour, que tu as des doutes, que tu es fébrile financièrement ou que tu es fébrile en termes de connaissances en immo ou que tu es fébrile parce que le produit, il nécessite d'avoir une vision, une perspective, bah le vendeur, il va douter aussi. Si toi, tu doutes, hop. Donc, c'est vraiment le fait de dire, tu transmets l'énergie, le fait que tu es sûr à ton vendeur. Et si c'est un agent immo au milieu, c'est pas grave, l'agent immo c'est pareil. Hein. Si derrière, quand il doit potentiellement choisir, tout simplement parce qu'il va proposer peut-être l'intégralité des offres, mais qu'est-ce qui va se passer? On sait très bien le vendeur. Si toi, tu n'as pas vu les acquéreurs, tes vendeurs, il y a un agent immo, tu vas lui demander son avis et vous. Et moi, je suis agent immobilier. Quand j'étais dans cette position, bah, tu vas vers celui qui te semble le plus fiable, mais forcément, le plus solide financièrement, mais le plus fiable aussi. Parce que ça, c'est pas que. Tu sais, c'est comme quand tu dois louer ton logement. T'as 5 candidats. Tu vas pas forcément donner à celui qui gagne le plus. Tu vas donner à quelqu'un qui est en mesure de payer, bien évidemment, mais tu vas aussi louer ton logement à celui que tu as senti le plus fiable, celui qui va pas te prendre la tête parce que la clé, elle fait du bruit quand elle rentre dans la serrure, parce que quand tu ouvres la porte, ça fait un petit grincement, il va dire « Attends, il n'y a pas d'huile dans les gonds. » Tu vas le louer à quelqu'un de fiable. Donc, c'est exactement pareil ici. Si on dit qu'il y a 3-4 personnes qui sont finançables, c'est ces petits détails qui vont faire la différence. Donc, mets une offre persuasive. Derrière, tu relances. Il faut être chiant. On va appeler un chat, hein. Faut être chiant. Mais faut être chiant positivement. C'est-à-dire que quand tu vas refaire une offre, si le lendemain, tu n'as pas de réponse, tu relances, ça va pas être oh, tu vas pas gueuler, tu vas oh, j'ai pas de réponse, machin, je fais une offre, c'est pour moi. Parce que là, il va se dire, tu passes dans la catégorie chiant. Il faut être chiant sympa. C'est-à-dire, voilà, tu relances. Vraiment, je suis désolé. Moi, j'aime bien faire ça. C'est-à-dire que je prêche le chaud et le froid. Le chaud et le froid, c'est quoi? C'est pardon, je sais vraiment que là, je vais vous harceler. Mais c'est parce que vraiment, c'est la maison
que je veux. Alors désolé, vous allez me prendre pour un fou et pour quelqu'un qui harcèle, mais c'est parce que vraiment je suis déterminé, il me faut cette maison, elle est vraiment splendide et donc voilà, je suis assez impatient. Donc pardon, hein, c'est pas du harcèlement, mais c'est vraiment que je veux savoir. Et là, tout le temps, c'est-à-dire, oh pardon, je te harcèle, mais en même temps, je t'ai relancé, tac tac. Et puis le mec en face, il va se dire, il va raccrocher, il va dire, ouais, Zonta, il est chiant, mais Zonta, il est déterminé. Donc, d'un côté, tu vois, au bout d'un moment, puis plus tu pousses, plus les gens, au bout d'un moment, ils te disent oui pour finalement que tu le lâches. Ils vont dire, hop, tous les jours ça sonne, le lendemain il va se réveiller limite boule au ventre, il va dire Zonta va m'appeler. Du coup, il va dire, bon, bah c'est bon, au bout d'un moment, il va appeler le vendeur, il va dire, écoute, donne-le à lui parce qu'il est déterminé, il veut y aller, il m'appelle tous les jours. Eh ben, je le donne. Et du coup, j'ai eu la maison. Et sur les investissements locatifs, c'est la même chose. Quand je le veux, je harcèle positivement. La durée. Dans cette offre, tu mets une durée. Pourquoi ? Parce que tu sois dans un marché tendu ou pas, c'est quand même bien de mettre une limite. Et tu ne mets pas une durée à 3 semaines, tu ne mets pas une durée à 2 heures. Ça va dépendre du marché, ça n'a pas spécialement de sens non plus. Bah, je sais pas, tu mets une semaine, mais au-delà, moi je pense que c'est bien une semaine et même un peu plus court parce qu'une semaine, c'est long quand tu attends la réponse. Donc, ça, tu peux relancer en même temps. Mais en même temps, c'est bien de mettre une durée. Après, si là, je dois te dire voilà, quelle est la durée moyenne qu'il faut mettre, en fonction de du deal après derrière, tu l'adaptes, mais pars sur une semaine. Alors, les clauses. Les clauses, c'est top. Tu dois toujours, quand tu regardes cette vidéo, l'adapter en fonction du marché dans lequel tu es. On reprend l'exemple. Si tu es dans un marché tendu, je te le dis direct, hein, les clauses, tu peux oublier. Je vais pas effacer parce que je vais pas mettre un coup, mais marché tendu, s'il y a 10 personnes, de toute manière, il y a 10 personnes, ils font la queue. Tu arrives, tu dis, oui, bah moi, je voudrais tout. Alors, je voudrais bien sûr les clauses de conditions suspensives. Puis, je voudrais aussi que le mur, là, tu vois, tu vas me repeindre ce mur parce que sinon, je l'achète pas. Donc, dans un marché tendu, ils vont dire, allez, merci, à l'année prochaine. Mais ouais, parce que c'est pas réaliste par rapport au marché. Donc ça, il faut que tu connaisses vraiment ton marché parce que sinon, bah, tu vas le faire 2-3 fois et puis au moment, tu vas dire, ah bah attends, je comprends pas, en fait, ils me disent, oui, oui, d'accord, merci, allez, merci, mais fini. Donc, il faut que tu connaisses ton marché. Ça veut dire que les clauses, il faut que tu les mettes dans un marché où tu as un petit peu le pouvoir. Moins tu as le pouvoir, plus il y a de monde, moins il y aura de clauses. Donc là, il faut que tu adaptes. Maintenant, on va parler des différentes clauses qu'on peut mettre ici. En gros, quand on parle de clauses, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bah, tu as bien sûr le financement. Alors, ça va marcher dans les deux sens, hein, c'est-à-dire avec ou sans financement. C'est-à-dire que tu peux faire une offre sans conditions suspensives, avec conditions suspensives, ça dépend de ton marché. Mais tu l'indiques. Est-ce que c'est avec, sans conditions? Ça peut être sur des travaux. Je t'en avais peut-être parlé en story Instagram, @michaelzonta, quand j'étais à peine propriétaire de cette maison. Il y avait d'autres personnes qui voulaient la racheter. Potentiellement, ils auraient mis des clauses. Ce n'était pas mon souhait puisque je voulais habiter en résidence principale, mais ils souhaitaient mettre une clause potentiellement travaux sur une verrière, quelque chose, pour devenir propriétaire. Donc, tu peux très bien dire, bah, j'achète, voilà, il faut que la part soit repeinte, j'en sais rien, j'achète, mais je voudrais qu'il y ait cette partie-là qui soit faite en fonction de si tu as le pouvoir ou pas derrière. Donc, ici, voici l'exemple des différentes clauses. Ça peut être sur du mobilier. Ça peut être, il y a une très belle cuisine équipée, ça t'évite d'en racheter une, ils allaient potentiellement l'enlever ou enlever l'électroménager. C'est dire, voilà, moi, c'est bon avec cette offre, mais en clause, je voudrais garder le mobilier, cette cuisine équipée. Moi, je ne l'avais pas mis en clause, mais quand mon offre sur la maison a été acceptée, je te le montrerai en vidéo. Il y avait un magnifique vaisselier ancien que je vais complètement repeindre et laquer juste pour le moderniser, mais j'adore ce meuble. Bah, le deal était fait, mais j'ai dit surtout dans le déménagement, bah, potentiellement, voilà, celui-là, vous me le laissez, vous ne le sortez pas. Je suis très content qu'ils l'ont laissé. Donc, c'est l'ensemble de ces clauses-là que tu peux mettre reste réaliste vraiment par rapport à ton marché. Moi, je trouve que c'est vraiment le plus important. C'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. Je suis sûr que cette vidéo va t'aider à savoir comment faire mieux une offre que précédemment. En tout cas, je l'espère. Mets-moi en commentaire. La liste, elle n'est jamais exhaustive. Je prends une dizaine de minutes pour donner un condensé, un maximum de valeur. Mets-moi en commentaire d'autres items, d'autres points importants que tu souhaites donner à la communauté. Et je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Et je te dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao! On va parler immobilier et plus précisément immobilier occupé. C'est-à-dire si tu as repéré un bien qui est vendu loué.